c'est un grand jour pour nous puisque c'est la mise à l'eau du Line 56. Donc c'est notre premier trimaran à motorisation hybride. Donc c'est un bateau dont la construction a démarré il y a maintenant une année à peu près. Donc lancement d'une nouvelle gamme et d'un nouveau concept. Alors en fait c'est un bateau qui peut s'adapter à différents programmes. À l'origine, on avait pensé un bateau d'expédition, un bateau pour aller loin et longtemps parce qu'il a des grandes capacités, des grands volumes de stockage pour le fuel, donc une très grosse autonomie par conséquent. Cependant, il peut être aussi, ça peut aussi correspondre à des programmes de navigation côtière et bien entendu aussi des traversées atlantiques puisqu'il est transocéanique. La motorisation hybride dont est équipé ce Line 56, c'est une motorisation en fait qui se décompose avec un moteur thermique central dans le flotteur central et de deux moteurs auxiliaires électriques, des pods électriques situés dans les flotteurs latéraux. L'avantage d'une motorisation hybride, c'est d'abord au niveau consommation, c'est un bateau donc qui va peu consommer, mais également d'accéder à des endroits, des zones protégées où on ne peut plus aller avec des moteurs électriques, des moteurs thermiques aujourd'hui, et qui donc prendra le relais à ce moment-là.